Ok, donc la porte verte avec les colonnes à faire attention quand tu rentres. C'est un peu compliqué. Voilà. Ici, il y a de la place pour des voitures. Si c'est vide, on peut occuper. D'accord. Après, il y a encore deux colonnes ici. Attention. Donc, on rentre. On rentre. On va construire un préau. On va rentrer. Voilà. Donc ici encore le sous-préau qui va aussi faire office de backstage probablement. Ici on va mettre le générateur, d'accord. Et là vous avez, on aura l'entrée, donc modèle entrante, d'accord. Mais le câble, nous on peut le faire passer par l'autre côté, par ici. Donc ça, ça s'allonge comme ça, c'est plus simple. Et on, ça se voit pas. Donc voilà. Là, on arrive sur la cour. On avance, on avance, on avance. Voilà. Puis là, on arrive sur. Si on va tout droit encore. Si on va tout droit. La porte bleue qui est au fond, ça donne sur un local pour le gymnase. Voilà. Derrière cette porte bleue, il y a 2-3 mètres. Je ne sais pas si c'est ouvert. On va essayer. Non. Il y a 2-3 mètres et on entre dans le gymnase. Yeah. Donc en fait, je pense que pour, c'est vrai qu'un épanoui de 100 mètres, ça serait pas mal. Maintenant, je sais pas ce qu'il a fait jouer la dernière fois, comment il l'avait joué, mais voilà. Quand on rentre là-bas après, donc quand on est là-bas, si on va tout droit, donc ça c'est l'entrée du gymnase. Est-ce que c'est ouvert? Voyons voir. Non. Mais si tu vois là-bas, t'as la porte qui débouche sur la porte bleue. D'où peut venir le courant, enfin la prise du groupe. Et là, t'as la porte qui débouche sur la rue Volta. Voilà.